pia tapia na bonda me fada mi nyam piti madambi akanyi dile akanyi dile akanyi dile Esmelo manajeka oh Esmelo 2015 il me sent seul Esmelo j'ai ma mise émission de radio annulée Esmelo mama eka Black or white. Non, il a fait un baoulé. Hip-hop. Yo. Je me tire. Je ne mange plus les Zach Mani. C'est un baoulé quoi. Après Ebola, donc il est découragé. Je me tire. Je ne peux plus manger mes agoutis. Je ne peux plus même goûter aux Zach Mani. Donc où je suis là. Et je me tire. Mon cher, je me sens seul. Je vais vous annoncer mon capitaine. Non, c'est une femme. Elle va venir. La capitaine. Yes. La rail, le rail, le train va passer. Capitaine, celle qui va animer, sinon si c'est moi, c'est le là. Et puis je suis fatigué, il y a longtemps, j'ai couru. Mesdames et messieurs, je vous présente Mariam Koulibaly. Voilà, aujourd'hui, voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente moi-même, Mariam Koulibaly. Voilà. Regardez. Dans la vie, quand on t'annonce funérailles, il ne faut pas toujours y avoir un programme des obsèques. Il faut regarder de quoi il est mort. C'est vrai. Si tu s'amuses avec nous, on peut te lancer coup de maladie. C'est vrai. Ça va un peu? J'ai mal fait de venir à Mariam. En tout cas, depuis qu'ils ont commencé à faire péage, là, les gens ne mangent plus cadeau sur pont, ils sont à la télé. Il y a des yeux, hein? Les gars qui sont gros là, lui, il vient passer à côté de pont péage. Il veut passer à côté de cadeau. Il faut passer si tu dois payer. C'est pourquoi vous gâtez le goudron là. Tu vois pas ton poids là. Ça va un peu? En tout cas, tu fais bonne année. Mais faut pas trop me coller, je connais pas ton bon sexuel. Ça va un peu? Longévité, Dieu n'a qu'à faire, on cas reçu toujours. Amen. Madame Koulibaly n'a qu'à aller derrière. Jamais. N'a qu'à aller devant. N'a qu'à aller devant aussi. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente maintenant, évidemment et joliment, Mariam Koulibaly! Mama, me have Bonne année. C'est là-bas qu'on danse, là-bas. Mais ici, là, tu vois. Je veux voir vos sapes, en fait. Avance. Magnifique, tu danses plus? Bonne année. On n'a pas trop de matériel, on ne peut pas casser le truc. Comment c'est débrouillé? Bonjour, maman, comment vas-tu? Très bien. Je ne peux qu'aller bien avec de la compagnie comme la vôtre. Mon film me plaît, dans la RTL, il parle français. Je peux que m'en. Ça, là, je dis jamais, il y a 10 ans de parler des gens. Il y a notre mon jasé, je peux que m'en aller un peu bien. Ça, c'est les moyens vus, ils ont fait bac là. Bac plus M. Alors, c'est le premier samedi où nous nous retrouvons depuis la nouvelle année. Donc forcément, l'équipe de production a souhaité vous proposer une émission gay, une émission joyeuse. Gay? Magnifique. J'ai dit gay. J'ai pas dit gay. Précisé. Non, mais j'ai dit c'est gay. C'est pas encore validé ici, hein. Maman, et puis, depuis un moment, tout le monde, les gars, ils commencent à s'appeler bébé, chérie, bébé. Arrêtez, hein. Moi-même, j'ai coco avant. Mon ami, voilà, tu as sorti bon maïs. Non, bien. J'ai dit une émission gay. Ah, d'accord. Dans la gaieté. Jovial, quoi. Voilà. Joyeuse. Souvent, il faut aller terre à terre. Sinon, gay, là, il faut laisser ça. D'accord, bon, une émission joyeuse. C'est la raison. Une émission humoristique. Non, c'est pas une émission humoristique. Jovial. Non, jovial, merci. Comme non, il est passé en France, tu sais. Donc, oui, c'est une émission gay. Jovial, joyeuse. Il faut parler souvent. Parce que les gens, vous ne comprenez pas ça. Ce qu'il t'a dit dessus, il peut te maudire à cause de ça. Il faut aller doucement. Souvent, tu parles un peu pour les Yopougon. Et puis, il y verra. Bon, une émission joyeuse. C'est mieux. Joyeuse. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Et donc, je disais pour nos téléspectateurs que nous avons décidé au niveau de l'équipe de production de proposer ce jour une émission joyeuse. Voilà. C'est ce qui explique la présence non habituelle de deux grands de l'humour en Côte d'Ivoire. Magnifique. Lui, il a le côté Macori. Voilà, on a dit. C'est lui, Bouvelza, là-bas. Alors, magnifique, parce que l'année 2014 a été
la consécration, l'humour depuis un certain moment s'est imposé au nombre des disciplines artistiques. Ça, donc, pendant le Massa, par exemple, pour cette année 2014, il y a eu la catégorie humour où on a vu voilà, les valeurs ivoiriennes et même africaines. Donc, magnifique, c'est vraiment l'un des porte-flambeaux. Oui, il a porté flambeau, l'a vu quand il l'a ramené. Vraiment, cette année, le bilan humoristique est positif. Oui. Voilà, excuse-moi, on L'homme n'est rien. Donc, on a découvert des horizons que nous n'avions pas découvert auparavant. Oh et, ah ben dis donc, là je suis ému là. Non, arrête, ça fait pas de mal. Après, on va te traduire ça. Je comprends. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, le bilan moral est satisfaisant, c'est le bilan financier qui fait problème. Si mon succès est médiatique, mes succès financiers, essayez de moi. Et puis, juste à côté. Ouais, c'est vrai, en tout cas, 2014. Vraiment. Attends, on va te présenter. Pardon. Voilà. Pardon. Et puis, juste à côté, Ramatoulaye DJ. Vas-y. Valeur tant pour l'humour que pour la danse. C'est parce qu'au-delà de la musique, c'est vraiment les chorégraphies qu'il travaille, Ramatoulaye. C'est un roseau. C'est moi qui fais ça. Il se plie sur scène. Maman, moi, je danse. Maintenant, et puis il plonge dans la piscine. Donc, maintenant, les gens, ils ont pas évité de m'inviter quand il y a l'eau. Donc, attends, même quand il voit qu'à nouveau aussi, plonge, les gars, invitez-moi, il n'y a plus plongé. Alors, le principe de samedi matin, c'est que nous n'avons pas tant que ça les consultants, les rubriques habituelles de Matin Bonheur, mais nous avons en fait la bande des amis du samedi. Les amis du samedi, du samedi si vous préférez. Oui. Donc ce sont des personnes, des Ivoiriens lambda, connus ou pas connus, que nous rassemblons autour de la table pour échanger sur des questions diverses. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités d'après-fête. Tiens, ça, il y en a beaucoup. Parler des réalités d'après-fête, j'ai bien envie de m'attarder un peu sur vos tenues respectives. Je ne sais pas qui m'a donné habillé la même. Je ne sais pas quel problème il a avec. Je ne comprends pas. Il y a un pied qui est séparé de l'autre. Il veut qu'on. Il a besoin d'aide pour attacher. Oui, ah, c'est toi et Sadi. Bon, d'accord. Attends, je vais l'aider, sinon. On ne va pas s'en sortir d'ici la fin de l'émission. J'ai loué ça chez Blanchisseur à coup d'émission. Là. Tu as dit qu'il ne porte pas ça tous les jours, non? Toi, j'étais en cours. Voilà. Donc, je fais un nœud pour lui. Oh, mais c'est hein? En espérant que ça tienne. Voilà. Parce que si ça tient pas, on va s'en sortir. Une maman qui est bien. Elle s'occupe de ses enfants. C'est Blanchisseur qui est chez moi, là. Maman. Il a mis machine à laver, pressing. Maman. Blanchisseur, il a mis pressing. Regarde, derrière, il y a un gagné. Il m'a tué à vider. Maman, tu as aidé magnifique à faire. Donc, de t'aider aussi. Pour me peigner. Ouais, ah! Mais là, pas vos chaussures. C'est mieux, tout c'est même chaussures. Ah, c'est lui, il n'a pas mis Yomo, mais. Là, c'est mieux. C'est les gens qui courent en bas de plus. Quand tu veux, fais-le. Vous avez vu, maman, il a mis Yomo. Avant, ses cheveux étaient blancs, c'était jaune. Tu vois, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est mon enfant. Non, mais il faut qu'on voit bien ça. Non, on n'a pas fini de voir la tenue de Magnifique. Viens d'abord. Magnifique, devant. Il prend mon air. Montre-nous bien la tenue. Je prends mon. Pantalon Sarouel. Je prends mon air sérieux. Ah, voilà. Sarouel, ça s'appelle. Je suis en train de quitter Agalawal. Il était mannequin des humoristes. Non, mais lui, il se plaque. Hein. Attends. Ah, lui, plaque. Hein. Ah, bon, d'accord. Il a vu à bon, 2015. Pantalon Sarouel. Ah, il était plaqué. Eh bien, dis donc. Bon, il tourne. Le mannequin de ce matin. Hein? Bon, même si la veste est incompréhensible, mais c'est pas bien grave. C'est pas grave. Ça, c'est. Ça, c'est veste long. Voilà. Cou. C'est veste de neige. En lieu d'absence de neige, on peut faire un matin. Merci beaucoup. Donc, il revient à sa place. Mannequin à bobo au black. Là, c'est Margori qui est passé. Oui, oui. Lui, c'est où? Yopougon. Il prend des. Qu'on appelle ça? 13 vues à Yopougon, c'est moi qui gouverne. Je gouverne, on a pas très envie. D'accord, bon. Propose ta tenue. Eh bien, dis donc. Le boubou, c'est quoi? Ah, non, c'est pas comme ça. Non, un peu plus de discipline, c'est ça village. Dommage. C'est un village. Voilà. Où est ça? Ça, c'est un boubou. C'est quoi? C'est manoir. Yopougon. Elle dit quand ça va plus. Va au village. C'est pas forcé à Abidjan. Tu n'es pas ébrié, tu fais quoi? C'est une chaussure très point vous. Point quoi? Point vous. Le gars, le patron est son apprenti tous les jours. Quand il veut le tutoie, il le tutoie. Il dit, patron, il y a la tiété. Il dit, hé, à partir de vous, vous me tutoyez, vous, mais vous voyez. Donc, il a demandé son patron à porter une chaussure pointue. Il dit, hé, patron, ton chaussure là, t'es affaire. Ton chaussure là, c'est point vous. Et s'il dit, c'est pointu, il est là. Voilà, tu vois. Et la paire de. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est la paire de chaussettes rouges là. Oui, ça tape. Et s'il est porté là, je suis. Tu peux voir en passant.
mais tu vas pas bien voir pourtant rouge là. Tu vas voir derrière rouge là, voilà, je suis là. Il faut casser les couleurs. Ouais, non. Ah, non, là, il a tué là. Voilà. Voilà. C'est pas contenté de les casser. Colibri. Et puis en bas maintenant, il y a un Mouba très tangent. Tu vois, non? Ça, c'est pour les jeux de rêve, c'est ça? Voilà, c'est 11 ans. Ça, c'est pour ne pas donner l'argent à son manager. Montez caméra un peu, montez caméra un peu. 11 ans. Tu vois, non? Ah, ouais, effectivement, ça facilite le jeu de rêve. 1, 2, 3, 4 poches. Il y en a des manager, tu es mort. Souvent, quand tu vas à ce spectacle, ils ont tendance à ramasser les mains dans les poches. Oui. Tu prends, tu mets dans ta poche, après, on fait des gays. Et c'est que quand ton argent tombe, puis tu veux faire malin. Mmh. Tu peux pas prendre l'argent, tu as un choco façon là. Faut penser à la vieille mère Antoinette à l'ami. Tu as 10 000 sont là comme ça, et puis tu as honte de prendre. Pense à Antoinette à l'ami. Fata Diable Bamio, à Diable Nafaya. Bon, mais Fata Diable. Mais c'est pas là, c'est ça, hein? Non, c'est ça même net. Je me rappelle du palais. D'accord. Alors, nous allons recevoir maintenant nos amis du samedi. Eux, c'est les humoristes aussi? Non, non, pas du tout. Ils sont sérieux. Mais oui, surtout. Et ils disent la vérité. En tout cas. Mais les amis des gens. Non, non, doucement. Nous allons les inviter un à un. Ah bon? D'accord. Et avant de les recevoir sur le plateau, je souhaiterais avoir une pensée pour toutes les personnes qui se sont inscrites dans la bande des amis du samedi. Les absents, on va les citer un à un pour vraiment leur souhaiter une excellente année 2015. Mais ceux qui sont là ce matin, on a Madame... Madame Anna Yonta Kamara Niang. Ouais attendez. Anna, attendez. Anna, Christelle, tu peux repartir, s'il te plaît.